Voilà, les 73-51, Gilles. Tiens, je viens juste à l'instant même, tu vois, là, de terminer la nouvelle QSL. Oui, la tienne, Hachi-3 coups. Comme tu m'as expliqué hier, je m'étais trompé sur le drapeau. J'ai émis le drapeau canadien, donc avec la feuille d'érable, alors que c'est l'autre avec les fleurs de lys qu'il fallait mettre. Ben oui, ça c'est là j'ai pas j'ai du coup j'ai pas bougé de la fréquence le temps de faire ça. Alors pour la QSL, j'avais gardé déjà tous les morceaux avant ça, là tous les fichiers, tout ça, là tous les brouillons, on va dire. Et là, du coup, bah là, je t'ai refait complètement la QSL. Et ce coup-ci, avec les drapeaux, là, avec les fleurs de lys, là, blanc et bleu. Hein. Voilà. Là, j'ai plus qu'à transvaser ça, à mettre ça là, sur mon PC et t'envoyer ça. Oui, tout à l'heure j'ai entendu du monde là sur la fréquence, hein, pendant que j'étais pris là sur l'autre ordinateur, justement à travailler ta QSL. Alors je me suis dit, je peux pas être partout, chaque chose, j'aurais bien répondu et tout, ça c'est clair. J'aurais bien envoyé les 73 là du sud-ouest de France. Mais bon, comme là t'as vu là au moment où t'as pris le micro tout à l'heure, je m'apprêtais justement à transférer les fichiers sur la clé USB pour les récupérer après sur mon ordinateur principal. Attends, voilà que je branche la clé USB. Voilà, ok. Voilà, c'est pour ça que là, je t'ai demandé de patienter un petit peu. J'arrive, le temps de faire ça. Et je suis pas multitâche, moi, je sais faire qu'une seule chose à la fois, quoi. Hop là, qu'est-ce qui s'est passé dans la modulation? C'est parti un petit peu en couac. Si, c'est bon. Voilà. Ouais, non, le poste, il doit être un petit peu froid, je pense. Là, de ton côté. Oui, c'est un peu plus froid qu'hier, aujourd'hui, là. Mais on est supposé atteindre des températures de Et il m'entend niveau, mal. là, parce qu'il y a la tempête est dans l'air, là. C'est supposé commencer ce soir pour la nuit. Et puis la journée de vendredi se termine samedi côté Sérémy. D'accord, donc tempête de neige et tout ce qui s'ensuit. Ah, tu viens de me donner une petite idée pour ce que je vais mettre sur le début de la vidéo. Oui, je suis en train de faire une vidéo. Là, tac, ça y est, là, tu m'as dit quoi mettre au début, là. Faut que je me trouve un petit bout, là, de quelques secondes, de 4 secondes, que sur une tempête de neige au Québec, un truc comme ça, que je vais mettre au début. Ah ouais, ça va le faire. Un chi trois coups. Bon alors, bien dormi, bien reposé. Oui, j'étais en fréquence un peu plus tôt. J'étais en fréquence un peu plus tôt, là, vers les 8h30, là. Et puis j'ai fait l'écoute un peu partout, là, ici et là. Et puis on voit que la propagation, là, c'est pas comme la semaine dernière et la semaine auparavant, là. Oui, pourtant, toi, c'est étonnant parce que là, c'est du téléphone, là, aujourd'hui, hein. Ah oui, d'ailleurs, t'as remarqué, je te fais pas répéter du tout. Je sais pas si de ton côté, ça passe aussi bien que du mien, mais là, moi, c'est du téléphone, hein. Oui, je serais pas dans des très bonnes conditions, mais j'ai un peu de QRM, là, en arrière-plan, là. Il y a beaucoup de QRM aujourd'hui en fréquence, là.
Hey, t'as qu'à avoir ton filtre DSP. Allez, mange. Ah, tu vas voir qu'au mois de janvier, on va continuer à faire nos QSO journaliers. Ça va continuer à passer. Ah, j'espère. J'espère qu'il y aura une bonne propague en janvier. Parce que je vois pour nous, là, au niveau du groupe Kilomac. Alors, à partir. Ah oui, bah tiens, puisque je suis parti là-dessus. Alors là, à partir du 1er au. Du 1er janvier. Alors, j'essaie de faire deux trucs. Voilà. Du 1er janvier. Janvier au 8 janvier sur la CB, ça va être la fête. Ça sera les 40 ans de l'homologation des 40 canaux multimodes. Voilà, ça s'est fait en janvier 1983 et là, paf, 2023, boum. On fête ça. Enfin bon, chacun fête à sa façon de son côté. Le but pour nous ici, c'est d'être au maximum du côté des 40 canaux et de se faire plaisir au maximum. Et en suivant à partir du lundi 9, eh bien, on emboîte le pas avec le groupe Kilomac. Et pour être en conteste des X jusqu'au 31 janvier. Donc là, janvier, ça va être assez chargé et j'espère bien que ça va passer du côté Québec. Ça serait génial, ça serait la cerise sur le gâteau, ça. Et là. Ah. Oui, les années passent vite, mais j'ai l'impression que t'as pas tout compris ce que j'ai dit. Tu m'entends mal de ton côté. Une impression comme ça. Ouais, je crois, oui. Il faudra regarder sur les chercher sur les vidéos, oui, je crois, oui. Peut-être un peu plus. Ouais, 10, 12. Peut-être plus 12 même. Ça doit faire 14 ans que j'ai emménagé là, qu'on a fait construire. Ouais, donc ça fait 13 ans que la station est montée. Très rapidement, j'ai entendu. Je me souviens encore de ça là quand je débauchais tard le soir là vers les, je sais plus. Bon bref, je commençais à entendre les USA passer, ceci, cela. Ouais, ça doit faire 12 ans. Ah oui? Ah ben oui. Là, ça fait bien 2 ans que un an ou 2 ans, je sais plus, que la propague remonte. Hein. Oui, bien un an que la propague remonte. Donc ouais, ça doit faire facilement 11-12 ans là qu'on papote, qu'on se connaît. Oh oui. Ah, d'accord. Ben, pour ma part, ce matin, pour moi, c'était dodo. Vu que là, il est déjà 5 heures moins 5 de l'après-midi. Oui, parce que du coup, je voulais à tout prix terminer cette nuit là pour toi, là au niveau vidéo. Je me suis couché, il était 4 h 15. Ben, de toute façon, je devais me décaler, hein. Je m'étais donné maximum 4 heures. Bon, ben, c'est pas grave, j'ai débordé un petit peu et tout ça. Mais au moins, tout ça, c'est fait, c'est envoyé, emballé, pesé. Hachis trois coups. Donc là, ben là ce soir, eh ben, pour le coup, on va être en même temps, quoi. En même temps debout, quoi. Puisque j'embauche là tout à l'heure à 7 heures.
7 heures, eh bien, ça veut dire une heure pour toi. Une heure de l'après-midi pour toi, ça veut dire jusqu'à 7 heures demain matin, quoi. Donc, pour toi, une heure du matin, quoi. Ouais, 100% QSL. Alors attends, alors attends, je vais t'envoyer un truc. Ah oui, que je me trompe pas, qu'est-ce que j'ai pas fait. Oh, quel con. Je mets la clé USB dans l'ordinateur pour transférer les fichiers sur l'ordinateur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah putain, mais ça ne va pas moi de faire deux choses en même temps. J'ai perdu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression que j'ai fait une connerie. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, je la sens bien. De toute façon, si j'ai fait une connerie, j'ai une sauvegarde sur l'autre ordinateur. Non mais vraiment, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait des fichiers, quoi. Alors celle-là, elle est bonne. Attends deux secondes, je cherche. Voilà, dossier Gilles. Alors, QSL Gilles. Non mais c'est n'importe quoi ça. Bon alors attends, je reviens. J'ai supprimé le fichier, là, tout le truc que j'ai fait là de mon ordinateur principal. Ah ben non, ça y est, j'ai trouvé. Ok, je l'ai mis par rapport à mon fond d'écran, j'avais mis à un endroit où le dossier se confondait avec l'arrière-plan. Bon, d'accord, ok. Donc alors, QSL, 9 Bravo Charlie 555 Gilles. Ok. Tac, voilà. Ok, alors Messenger, joindre un fichier, Gilles, QSL, alors voilà, tac, voilà, tu as ta nouvelle QSL en message perso, là, sur Messenger. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Oui, non, mais bah, tu verras ça après. Oui, ok. Et ce coup-ci, tu as branché le chargeur là sur le téléphone pour. J'ai zappé le passage. Tu viens de me le dire, mais j'ai zappé le passage. Tu as branché le téléphone sur le chargeur ce coup-ci pour faire des vidéos? L'autre, il utilise mon vieux téléphone, là. Parce que j'en utilise aussi, j'ai écouté de la musique, avec la couverture, là. Alors, j'en utilise un pour veiller pour le sommeil. C'est une plaise, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Bon, en tout cas, je pense que ça devrait te plaire quand même. Pour la QSL, je suis resté sur le même modèle que d'habitude, même style. Ouais, ça devrait le faire. Ouais, j'espère. Bon, en tout cas, pour cette différence au niveau drapeau, toi, je savais pas du tout, j'étais pas du tout au courant. Je savais pas que le drapeau là avec la feuille de d'érable, c'était pour le côté anglophone et l'autre avec les fleurs de lys côté francophone.
Voilà, j'ignorais tout à fait là, cette différence-là. Moi, je pensais que c'était pareil. Et toi, je pensais plus même que le drapeau avec les fleurs de lys, c'était pour la ville de Québec. Voilà. Et que pour tout le Québec, que c'était l'autre avec la feuille d'érable. Toi, je croyais plus ça, quoi. Avec un petit écho derrière, ça passe bien. Oui, tellement calme que j'ai l'impression que tu as du mal à m'entendre par moment. Ou alors tu essaies de faire deux choses en même temps et ça coince. Un petit peu, un petit peu. Monsieur des miettes, ça. Oui, ça va bien, Bernard. On est en train de se préparer pour la campagne qui s'en vient. Je suis en train de me préparer pour la campagne. Il y a de la pluie, de la neige, du verglas, du vent, il y a bien l'air. Il y a toujours deux jours ici qui s'en vient à partir de cette nuit. Ça arrive, il a fait trop vite d'éviter la nuit,
Michel, c'est pour nous commencer la nuit prochaine. La journée de vendredi, terminée samedi. Si tout se passe comme ils ont prévu, cette hiver-là, de la neige, de la pluie, des gros vents de 60 à 90 km à l'heure. Alors, c'est des gars sur le Québec. Oui, c'est elle, elle est super. Côté ici, là, la propagation me donne beaucoup de QRM, là. Beaucoup de QRM, là, ce matin, en fréquence, là. Mais j'entends bien la part, ça, le QSL. Putain, je viens de tomber sur un site québécois. Et ils disent préparez-vous à une tempête historique pour Noël, là sur le Québec. Voilà. Alors 99% de la population du Québec risque de ressentir les effets vendredi et samedi. Moins 55 degrés aux États-Unis. Et oui, ça a été publié aujourd'hui parce que je vois là, le jeudi 22 décembre 2022. Ah ben tiens, à l'instant même, puisque 17h11. Et il est 17h12, 13. Oui, d'accord. Moins 55 degrés dans certains endroits aux États-Unis. Putain la vache. Ça jette un froid. Merci beaucoup d'être passé en fréquence et en espérant de prendre les sous dans de meilleures conditions, mon ami. D'ici là, les bons sous, bon pilote et bonne propagation à toi, la Pieter. Oui, t'as le poste à chauffer, je viens juste de rectifier un petit peu. Je t'entends déjà, je t'entends un petit peu mieux. Là, j'ai dû toucher un peu le clarifieur. Oui, alors là, je saute du coq à l'âne, moi. Je viens de voir justement là sur internet un article. Et c'est une tempête de neige historique hein, qu'il va y avoir en plus. Là, avec des ressentis pour là, surtout là, vendredi, samedi, ça va être un truc énorme apparemment de ton côté au niveau tempête de neige. Oui, ça s'arrive là. Mais je pense que cette année, là, ça va être comme ça tout l'hiver là. On va avoir un hiver de merde. Oui, mais celle-là, elle pue pas et puis elle est bien blanche. Oui, surtout que t'as vu, hein, il faut que tu fasses des économies d'électricité pour que ce soit, pour que ça puisse être vendu à l'étranger.
Bon alors, qu'est-ce que tu vas faire de beau aujourd'hui? Là, parce que bon, là, il est déjà, ouais, il est 11h15 là chez toi là. Donc cet après-midi, qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui, t'aimes pas ça, toi, aller te promener dans les magasins. Pourtant, ça change les idées, ça permet de voir autre chose. Et dans la blagounette, ça permet de s'ouvrir au monde. Ouais, mais bon, quand on commence à dire que c'est trop, c'est parce que tu vois, c'est parce qu'on s'est trop éloigné du monde, justement. Regarde, ceux qui habitent en ville, ils trouvent jamais qu'il y a trop de monde. Ou pas beaucoup le disent. Ah, puis c'est les fêtes, c'est tout ça, donc c'est joyeux, c'est donc forcément quand c'est joyeux, il y a du monde, il y a... Tiens, fois que je regarde un petit peu sur Internet comment c'est là, au niveau des magasins, là, sur Montréal. C'est... ouais, voir un petit peu là comment ça se présente. Je crois que sur la ville de Québec, beaucoup de magasins sont en sous-sol, hein, c'est ça, hein, je me trompe, hein, ou pas. C'est, il me semble avoir entendu ça, et je sais pas si sur Montréal c'est pareil. Oui, affirmatif. Je me souviens avoir entendu dire qu'au Québec, dans les grandes villes, comme la ville de Québec, et peut-être Montréal, je sais plus, il y avait beaucoup de magasins qui étaient en sous-sol. Non, c'est pas ça, je me trompe. Des magasins en sous-sol? Bon, d'accord. Apparemment, j'ai fumé la moquette. Ok, c'est pas grave. Tu m'as même pas entendu, là. T'as même pas entendu ma question, là. Non, mais tu peux la dire encore, la question. Parce que je n'ai pas compris comme il faut. Oui, ben d'un autre côté, ça m'arrange. C'est pas grave, Gilles, c'est pas grave. J'irai faire le curieux sur Internet. Comment sont les magasins de ton côté? Ah, j'ai entendu un break. Ouais, mais bon, c'est... qui dit mouton, dit fourrure. Et puis quand il fait froid comme ça, faut se serrer les uns contre les autres pour se tenir chaud. Il y a eu un break, Gilles. Oui, mais ça dépend comment coller, là. Si c'est trop collé, là, vous, ça devient chaud. Thank you.
bruit énorme, ça passe pas très vite. Je ne suis pas sûr à qui c'est. Ah non, c'est du côté France. Ah, c'est Jimmy, toi aussi. Jimmy, tu veux prendre le micro? Alors, attends, je reprends juste le micro. Alors, d'abord, les 73-51 à la station de la part de 14 km 33-01 Rémy. Voilà, sur le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Gilles, de mon côté, il faut que je sois à côté de toi, quoi, que je sois là sur Pointe-Calumet ou Montréal, pour pouvoir te dire vraiment s'il y a trop d'écho ou pas. Mais là, depuis le QIRA, qui est à quelques kilomètres loin, ça va, ça passe bien, je trouve pas qu'il y ait trop d'écho. Mais maintenant, oui, il faut que tu m'arrives à plus 20, comme le dernier coup. Là, je pourrais te dire s'il y a trop d'écho ou pas, quoi. Oui, c'est je monte le préamble, juste le préamble, ça l'amplifie un peu plus l'écho sur mon côté, là. Eh, hey, je t'en rajouterai, je te ferai plaisir, je t'en rajouterai aussi dans la vidéo, là, de l'écho. Non, mais il faudrait vraiment être... soit tu fais quelque chose pour que tu m'arrives à plus 20, plus 40, ou alors en t'écoutant sur un autre poste à côté, ça serait beaucoup plus fiable. Tu verrais mieux ce que ça donne. Attends, il y a quelqu'un qui parle. Alors, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Là, les deux postes sont trop près l'un de l'autre. Ah, pour vous expliquer ce que j'essaie de faire, là, j'ai allumé l'autre poste. Mais pour faire des réglages comme ça, des réglages micro, en BLU, c'est pas bon du tout, ça crée des distorsions. Vaut mieux faire les réglages en AM et après basculer en BLU. Ou alors se servir d'un web SDR en espérant qu'il y en ait un qui est pas trop loin pour faire ces réglages. Ah, j'entends plus personne de mon côté, Gilles. Prends l'aspirateur. Allez, de mon côté, ça va, c'est nickel aujourd'hui. Hein. J'ai pas de QRM, rien, c'est nickel. Même lui, j'entends. J'entends même les stations qui appellent leurs chiens là sur la fréquence. Ah, ça doit être l'heure de la sortie des chiens, ça doit être ça, quoi. Alors, j'enlève le filtre DSP. Et voilà, il est remis. Vaut mieux avec. J'entends parler derrière, c'est de ton côté ? Côté, ça doit être sur ton côté.
Oh, ben ça doit être un QSO parallèle alors. Mais bon, vu comment ça arrive petit. Non, mais c'est pour ça que je n'osais pas prendre le micro. Parce que je me suis dit, bon, ça se retrouve là, tu es en train de parler à quelqu'un. Ou plutôt, quelqu'un est en train de te parler. C'est pour ça que je touchais pas au micro du coup. Et oui, quand j'écoute tes vidéos, je m'aperçois des conneries que je fais, quoi. C'est, y a des fois, je prends le micro quand il faudrait pas, et ben c'est tout simplement parce que j'entends pas les stations, et que du coup, je sais pas que quelqu'un d'autre parle derrière, quoi. QSL, ouais, bah, y a ça aussi, ouais, c'est sûr. Hein. Mais c'est vrai que quand je vois sur tes vidéos, là, tout ce que tu entends, mais je n'entends même pas le quart, moi, de mon côté. Hein. Oui, les oreilles des lépins, ici. Oh putain, avec le bruit que tu te prends dans les oreilles, les QRM que tu te prends dans les oreilles, ah, c'est sûr, tu peux avoir des oreilles d'éléphant, quoi, c'est clair. Hop là, là c'est un petit peu parti, là le signal est en train de baisser là. Ouais, ça tourne entre un signal de 3, de 1. C'est, je crois qu'il va falloir que je couche mon antenne verticale en direction du Québec là pour que ça passe mieux. Je n'entends pas du tout de mon côté. Les 73, la station de la part de 14 km 3301 Rémi, QTH Sud-Ouest France. Ah d'accord, ok. Bon bah de toute façon, j'aurais, même si je l'aurais entendu, j'aurais rien compris quand même. T'as de la chance d'être multilingue, toi. On voit qu'il y a quelque chose entre les oreilles, entre les deux oreilles. Hachi! Oui, bon, entre les oreilles d'éléphant, on voit qu'il y a quelque chose pour être multilingue comme ça. J'avais qu'à mieux travailler à l'école. Hachi, trois coups. C'est vide de mon côté, vide, vide, vide. Eh, tu veux la faire venir plus tôt là, la tempête ou quoi là? Quoique là, de mon côté, là, il pleut hein, dehors. Par contre, il y a une température de, comme j'ai vu, 13 ou 16. 13 degrés. Ouais, il y a 13 degrés quand même de mon côté, hein. Mais il pleut. Ouais,
Ou elle reste rangée, la moto. Elle reste rangée. Et je crois que toi aussi, elle reste rangée. À ce propos, vu que tu es sur trois roues, l'hiver, t'as aussi une période d'interdiction de sortir la moto? Oui, au Québec, comme tu m'as expliqué une fois, en moto, il y a une période au Québec où tu n'as pas le droit d'utiliser la moto. Est-ce que c'est pareil pour ton trike, vu qu'il y a trois roues? Ok, 100% QSL. Eh bien, et tu prends des clous de charpente que tu mets dans les pneus. Ça ira après, tu pourras rouler avec. Wow, par moment ça a du mal à passer. Ah oui, il est 5h30 de l'après-midi là de mon côté, passé. Ah ouais, c'est bientôt l'heure de ou que attends, j'essaie de faire un truc là. Deux secondes. Voilà. C'est bientôt l'heure où les portes et fenêtres commencent à se fermer côté propag. Ouais, c'est vrai que... Bon, de toute façon, ça ne nous empêche pas de faire nos QSO journaliers. Hein. Hier, avant-hier, j'ai pas pu parce que, bon, bah, du coup, j'étais au boulot en journée. Et puis là où j'étais, de toute façon, c'était pas possible. Hein. C'est impossible de pouvoir aller dans la voiture, d'aller prendre le micro. Et en plus de ça, il y avait trop de QRM. Hein. J'ai regardé, il y avait un bon QRM qui tournait autour de 5-6. Voilà, autour de ça, donc c'est même pas la peine. Là, pour du QSO local, grande distance, comme ça, là j'oublie de suite, là. Vaut mieux que je fasse ça depuis le QRA. Je verrai bien tout à l'heure, là, à 6h20, là, dans 45 minutes. Putain, déjà? Ah oui, déjà. Je verrai bien dans 45 minutes, là, si ça passe ou pas, là, sur la route. Là, sur le 625. Puis sinon, ben, c'est pas grave, hein, ce sera pour demain. Hein. Allez, Gilles, je crois que je te laisse rentrer, faire rentrer le break. Je pense que c'est de ton côté. Ah non, c'est de mon côté, à Chitroicou. Les 73 du département 47, du département 33, de 14 kilomètres, 3301 Rémi. Voilà, du côté de Saint-Émilion, en compagnie de 9 Bravo Charlie 555 Gilles, sur Pointe Calumet, du côté du parc de Oka, à côté de Montréal, quoi. 73 de la station, ici c'est l'opérateur Bernard, le plus grand et la ville de Normande. Le numéro 14, Papa, Bravo, 943, opérateur Bernard, 73 retour. Ah Bernard, les 73 retournés de Rémi, je repassais le micro à Gilles, si t'entends. Est-ce que tu entends Bernard qui est sur le département 47, là sur le sud-ouest France? Hop là, c'est parti de mon côté. Bernard, tu arrives à sortir Gilles parce que là pour le coup je suis en train de le perdre. Ah. Thank you.
je le perds moi aussi d'Allemagne, là, je le perds. Ouais, eh bien, je crois que ça va s'arrêter là. Ok, bon, ben Gilles, là, c'est en train de nous fuir. Je vais t'envoyer, Gilles, les bonnes 113-51 à toi. Bon, bonne continuité de QSO, là, de ton côté, sur le Québec, avec les OM du Québec, les OM de la 9. Et Gilles, je te dis à très bientôt, ben, tout à l'heure sur Internet, ou demain après-midi, enfin, demain matin pour toi, à Chi. Retour à... Ah bah ça y est, j'ai oublié son prénom. À Bernard. Donc, Gilles, que sur le Canada, je l'entendais, parce que rien n'est plus autre que dans là. Et je voulais juste allumer le transport, que sur le Canada, le Canada, là, qui a appelé, là, justement, là. Et là, je faisais un tour de galette. Voilà, retour à toi. Ok, alors je l'ai entendu en pointillé derrière. Ouais, Gilles, retour de micro, là pour le final, parce que c'est en train de nous fuir. Ok, c'est Bernard qui est sur le département 47. Là, j'ai bien compris que tu avais du mal à sortir. Et effectivement, je vois aussi de mon côté, c'est en train de passer de plus en plus petit. Bon, ben là, s'il répond pas, c'est que pour le coup, là, il est complètement dans les choux. Bon, allez, moi aussi, je vais passer QRT. J'ai le pro, là, tout à l'heure, là, dans à peine trois quarts d'heure, là, il faut que je prenne la route. Donc, les 73-51 Gilles, les 73-51 Bernard, bon QSO de votre côté, et ben, peut-être à demain en fréquence, au même endroit. Là, on fait de la stéréophonie, là. Ah ben, il a fallu que ça remonte d'un coup, là. Là, c'était remonté à Santiago 3. Bon, de toute façon, il va falloir que je coupe quand même. Bon, Gilles, apparemment, la propag remonte. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, faut que je m'occupe de mes affaires. Il va falloir que je me décide, là, quand même, assez rapidement. Les 73-51 retournés. Bon gastro pour tout à l'heure, Gilles, parce que là, il est midi moins 20 de ton côté. Pour nous, il est 5h40 de l'après-midi, là, ici. Merci, bye, à plus.